pas de filmer en permanence, mais au contraire de proposer des images à certains moments. C'est un film où la parole circule vraiment, où la parole a une densité, celle de Vikash en tout cas, et pour moi c'était important de rester dans cette densité, dans le propos, dans l'exploit de formuler de la parole comme ça dans le football et malgré la souffrance. Et c'est là-dessus que je me suis concentré, c'est ça qui m'a... Et à ce moment-là, au moment où je n'ai pas apparu, j'ai joué ma peau dans ma carrière, j'ai joué mon contrat, j'ai joué ma... Voilà, là c'est pas ça. Je me sentirais pas bien, quoi, de... qu'on m'ait volé ma Coupe du Monde. Mais je vais rentrer demain et il va se passer quelque chose encore une fois. J'ai monté le film sur le son, et le son, c'est ce que dit Vikash. Et donc on a déjà le sens, on a déjà le ton, on a déjà et les images arrivent et il y a une espèce de logique de puzzle au moment, je ne sais jamais dire ce mot, on faudra dire un puzzle plutôt, où c'est une évidence, certaines séquences rentrent dans la narration comme des pièces de puzzle et c'est beaucoup comme ça que j'ai construit ce film. Moi, le seul truc qui voudrait qu'ils comprennent, enfin, lui faire sentir que de gagner, de faire son truc, c'est bien, mais de trahir les gens, c'est horrible, quoi. À aucun moment j'ai tout lâché, j'ai tout fait pour le film. Juste, je jouais plus et j'ai continué à faire. À filmer, à parler, et comme. De mesure en mesure, je prenais plus en plus de plaisir à filmer, je l'ai fait un peu plus, mais à aucun moment je me suis écarté de l'objectif principal qui était d'être prêt à jouer et d'être en forme pour pouvoir jouer à tout moment. Voilà, donc ça, après, c'est Domenech qui a fait le choix de ne pas jamais me faire jouer, mais moi j'étais en pleine forme, j'aurais pu jouer. Là, je me mettais en scène quand même dans la chambre et j'imaginais aussi, quand je passais dans les couloirs, tiens, je vais filmer, faire ce plan avec les tableaux du programme de la journée, par exemple, c'est répétitif. Dans ma chambre, j'installais mes livres aussi pour pouvoir faire des plans qui avaient un plus ou moins un sens. Et en même temps, je trichais pas, quoi. C'était aussi ce que je faisais dans ma chambre, dans ma journée, en attendant les entraînements et les matchs. Donc c'était mon ordinateur, c'était les DVD, c'était lire, et c'était voilà, descendre, aller voir les kinés, aller, voilà, c'était un peu ça. Donc, traîner un peu dans les couloirs, passer du temps à la fenêtre, à regarder les vigiles en bas de ma chambre, ou les golfeurs un peu plus loin. Voilà, c'est un peu ce que je montre là pendant cette Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde qu'un autre joueur aussi aurait filmé, et puis c'est la carrière d'un footballeur qui prépare un grand match.